Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous allons voir deux questions aujourd'hui. Donc à quoi sert une peine et quelle peine peut-on infliger? D'abord, à quoi sert une peine? Donc une peine infligée par l'autorité publique légitime a pour but de réparer le désordre introduit par la faute, de défendre l'ordre public et la sécurité des personnes et de contribuer à l'amendement du coupable. Donc c'est la réponse courte. Au niveau du catéchisme, nous pouvons lire ceci au paragraphe 2266. L'effort fait par l'État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l'homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil correspond à une exigence de la protection du bien commun. L'autorité publique légitime a le droit et le devoir d'infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a la valeur d'expiation. La peine, en plus de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal. Elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l'amendement du coupable. Alors, voyons maintenant quelle peine peut-on infliger. Donc la peine infligée doit être proportionnée à la gravité du délit. Aujourd'hui, étant donné les possibilités dont l'État dispose pour réprimer le crime en rendant inoffensif le coupable, le cas d'absolue nécessité de la peine de mort sont désormais très rares, sinon même pratiquement inexistants. Quand les moyens non sanglants sont suffisants, l'autorité se limitera à ces moyens parce qu'ils correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun, ils sont plus conformes à la dignité de la personne et n'enlèvent pas définitivement pour le coupable la possibilité de se racheter. Alors, pour étayer ces propos, bien, nous pouvons prendre le paragraphe numéro 2267 qui dit ceci. L'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas. Quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'être humain. Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l'agresseur, l'autorité s'en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine. Aujourd'hui, en effet, étant donné les possibilités dont l'État dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de nuire celui qui l'a commis, sans lui enlever définitivement la possibilité de se repentir, le cas d'absolue nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants.